facilement lié, c'est tout. Pourquoi traînent-ils dans les rues? Les enfants qui rentrent à la maison? Mais s'ils n'ont pas de maison, il ne s'agit pas de les emprisonner, mais au contraire de les aider à trouver un foyer et de s'occuper de leur sort. Cependant, ces deux enfants affamés, perdus, ne savent pas très bien ce qui leur arrive. Pourquoi nous leur posons 10 fois les mêmes questions? Oui, nous sommes frères et sœurs. Elle s'appelle René Dubois et lui François. Pendant la guerre, leur père et leur mère ont été déportés et ne sont pas revenus. Ils sont seuls. Mais cela n'en fait pas peur pourvu qu'ils soient libres. Quelques bons coups de poisson assurent un excellent sommeil.
forme. François pense à la vie vagabonde d'hier. Il pense au commissariat, à la visite médicale, à la femme qui vient de les envoyer au lit. Pendant 2 ans, il a vécu libre, dans la rue, dans les bois. Et il n'aime pas se sentir ainsi enfermé. Il n'aime pas ça et il ne le veut pas. C'est décidé, il s'en va. Si René n'est pas d'accord, il se chargera de persuader. Ils vont partir tous les deux.
destinée à attendre que l'on apprendra dans une autre classe. Pratique de l'imprimerie, du tissage, de la poterie, dont la technique leur sera naturellement plus utile quand ils sortiront de la petite république pour exercer un métier dans la vie. Alors, qui me demandait des questions de la réalité?
les Américains travaillent en dehors de leur maison. Il faut dire que leur travail de ménage est beaucoup aidé par ce qu'ils possèdent des appareils mécaniques qui facilitent le travail. Est-ce qu'un garçon, un Américain s'intéresse aux questions mécaniques et scientifiques? Oh oui, absolument. Plus attaque à n'importe quelle autre chose. Est-ce que vous posez une question? Est-ce qu'une cabane sera vraiment influencée par l'histoire mécanique que vous avez reçue du dernier? Je l'espère. Je voudrais penser que tous les cowboys soient comme vous. Gary Cooper. Je voudrais savoir si le modéliste américain a quelque peu amélioré l'histoire du pêcheur de baleines. Je voudrais savoir si vous voulez appeler en général l'opinion des Américains égale aux Français. Pourquoi dans un pays aussi riche que l'Amérique, le chômage est-il fréquent? Et la question nègre en Amérique. Et quelle tendance pour l'art américain? Est-ce qu'en Amérique, le renseignement est difficile à comprendre? L'Amérique se parle beaucoup à l'autorité publique. Ici, comme en Amérique, on sait que l'homme ne peut se développer pleinement que dans la liberté. Et puis, ici, comme en Amérique, tout n'est pas parfait, tout peut s'améliorer, tant que les hommes sont libres. Madame Carole, mes camarades m'ont demandé de vous remercier pour la visite que vous avez faite aujourd'hui et pour les choses que vous avez racontées sur la musique. Et aussi, nous devons préparer une petite fête. Si vous voulez bien avec nous, nous pouvons vous descendre. Moi, que j'ai finalement fait plus de découvertes auprès de ces enfants que je ne m'avais appris de choses de l'Amérique. En tout cas, je garde de ma visite une grande impression d'espoir et de confiance. Je ne me rappelle pas m'être trouvée au milieu d'enfants aussi enthousiastes, aussi ardents et si affectueux à la fois. Plein d'entrain et plein d'esprit, jamais timide ni embarrassé, mais jamais insolent. Ils avaient mis en scène leur spectacle dans une jolie clairière, à proximité de leur maison. Pendant le chemin, ils ne cessaient de rire et de plaisanter. Puis tout le monde s'installa pour assister au premier numéro. Bien. Le spectacle entier était uniquement le résultat de leur travail. Ils avaient eux-mêmes dessiné les costumes, arrangé les danses, choisi la musique. L'enthousiasme suppléant largement au manque technique. Avait trouvé leur voie.